voilà les chéris, 13h21, histoire de vous donner un petit peu l'ambiance de ce qui se passe ici. Ça commence à arriver tout doucement. Bienvenue au Reggae Senka édition 2017. Voilà les chéris, ça va durer 3 jours. Et je vous montre un petit peu la queue qu'il y a pour aller chercher les billets, invitation, presse, VIP. Bisous les chéris. Et bon courage. Salut les chéris, 14h30, deuxième snap, premier jour. On est en train de s'installer. Enfin, mais moi-même et moi, on est en train d'installer. Voilà, la tente est là. Et voilà les matelas qui vont aller dans la tente. Et voilà la tente. Je vous présente mon univers qui sera là. Voilà mon petit trou à moi. Isa est là. Voilà, avec les arbres, les toilettes au loin et le coin massage. Voilà, vous avez vu un petit peu tout. À tout à l'heure. Gros bisous les gens, je finis de m'installer. Coucou les gens, en direct depuis la tente. Ça y est, je suis installée. Voilà mon petit nid d'amour pendant 3 jours. Elle est pas belle la vie. Allez, bisous, à tout à l'heure. Coucou les chéris, alors bon, il est 16h, ça y est, tout le monde est installé. Je vous présente un petit peu le coin avec les voisins, les voisines avec qui j'ai fait connaissance. Voilà, on s'est installé, on est là, tranquille, posé. Voilà, les loulous, vous voyez, ma tante, elle est là, ouverte, juste derrière le tronc d'arbre. On a tendu la ficelle et alors, le truc qui est bien stratégique, c'est que juste là-bas, au fond, derrière, vous voyez là, juste là au niveau des barrières, c'est le point d'eau, donc on est là. Juste là-bas, au niveau du monsieur, il y a les chiottes. Et hop, que je ne m'entrave pas dans les ficelles. Juste là-bas, au niveau des poubelles, je ne sais pas si vous les voyez. Là, voilà, il y a les douches. Donc, on est très très bien. Bisous les gens, c'est parti pour 3 jours. Pour 3 jours, pardon, je vous tiens au courant. Je vous aime les chéris. À tout à l'heure. C'est maintenant. Bisous les chéris. Ça y est, les loulous, je viens d'arriver à l'espace presse. Donc l'espace presse, ça se présente comme ça. On rentre par là-bas et on parcourt tout. Thank you.
Covid groupe bordelais qui sont là. Alors il y a tout plein de choses à raconter depuis 2012. Ils ont fait tout plein de trucs et c'est excellent. Alors on a normalement Olivier, Anaïs, Luna et Steve. Alors toi tu es Émilie, ah d'accord. Laura. Et Vincent. Vincent, donc c'est bien le groupe Maouid. Hein. Oui. C'est ça. D'accord. Alors excusez-moi, moi, je me suis trompée. On commence. How can we tell the world we made? Vous posiez la question en 2012. Depuis, le groupe il a grandi. Vous chantez I have a dream. On est d'accord. Toujours en anglais. Est-ce que vous pensez que le message passe mieux en anglais? Ouais. C'est un peu plus universel. En fait. C'est plus universel, ouais. C'est pour que ça passe universellement. Non. La raison pourquoi en fait je chante anglais. C'est juste parce qu'en fait j'écoutais toujours du reggae jamaïcain la plupart du temps, 90% on va dire. Donc du coup, voilà, je me voyais plus chanter en anglais. D'accord. Voilà. Ouais, et puis ça passe carrément mieux, hein. On est d'accord. les choristes, magnifique, génial. C'est hyper important les choristes. Déjà à l'époque de Bob, de toute façon, on connaît les choristes et l'importance qu'elles ont. Ça produit son effet. Vos rythmes soul et funky donnent envie de danser, en plus du message que vous passez. Alors, est-ce que vous pensez être complet dans ce qui concerne la dub, le reggae, ska? Si vous deviez vous identifier dans un style musical, ce serait lequel qui primerait surtout? En tant que identité propre ou en tant qu'identité Maouid? Maouid. En tant que Maouid. C'est un groupe, bien sûr, parce qu'on parle d'un groupe. Hein. Là, vous êtes trois, normalement, ils sont quatre. Alors, normalement, sur scène, on est sept. D'accord. Plus notre ingé son Luca, qui est toujours avec nous. D'accord. Qui fait vraiment partie du crew. Voilà. Et pour ce qui est de l'identité musicale, Je dirais que c'est un reggae métissé, entre guillemets, parce que voilà, on a de la soul, de la funk. Un peu de jazz, un peu de rock, ouais. Voilà, c'est un peu, il y a des touches un petit peu de tout, sans mettre, sans non plus tout mélanger quoi. D'accord. Voilà, c'est des petites influences, genre Toots and the Metal, ça fait partie de nos influences, ce reggae un peu funky parfois. Ouais, Toots, c'est voilà. Bon. Hein, et on a aussi Grand Nation, parfois où on fait des solos, c'est un peu aussi cet inspire-là. Donc voilà, on a plusieurs inspirations dans le reggae quoi. Alors, une question qui fâche, je suis désolée, ça arrive de temps en temps, hein, mais vos rythmes, alors la langue française, même si le rythme donne envie de chanter en anglais, la langue française est si riche, on représente Bordeaux quand même, pourquoi ne pas avoir fait au moins une chanson en français dans votre dernier album Identité? Alors, je pense que si on doit faire une chanson en français, on est quand même tous assez fans de Serge Gainsbourg dans le groupe pour ce qui est du reggae français. C'est vraiment une de nos armes, etc. Voilà, exactement. Donc du coup, je pense que ce serait plutôt comme une espèce de poème qu'on écrirait avec Steve. Quelque chose de parlé, peut-être plus que voilà, jouer avec les mots. Je pense que ce serait plutôt ça. La question se pose. Après, on n'a pas vraiment le temps de faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, on fait ce qu'on veut, mais bon, on fait ce qu'on peut aussi. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez déjà. C'est voilà, c'est ça. Mais on aimerait faire plus parfois. Ah. Et du coup, voilà, c'est vrai que le français, c'est une question qui se pose. Je pense qu'on en fera une un jour. Quand, je ne sais pas. D'accord. Alors, une dernière question. C'est pas les initiales de vos prénoms, donc je vous disais tout à l'heure, Maouid, phonétiquement parlant, ça laisse entendre Maouid, celle qu'on fume. Vous pensez quoi de la légalisation? Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Moi, je suis chaud. Chaud. Moi, je suis beau. Il y a des enfants dans le festival qui voient les fumeurs. Il y a le reggae, mais il y a aussi une ambiance. Alors, comme vous êtes bordelais, vous rentrez chez vous ou vous faites du camping pour rencontrer? Parce que c'est ça qui ressort de vous. Vous aimez rencontrer les gens. Tout à fait, c'est vrai. Tout à fait. Oui, en fait. Effectivement. Non, moi je vais rentrer à la maison. J'habite pas très loin. Donc... Moi j'ai un nourrisson à la maison, donc je vais rentrer à la maison parce que voilà, je vais finir la nuit. Toi aussi, tu rentres en tram? Non, je rentre en voiture. Parce d'accord. Que j'ai beaucoup de matos dans la voiture. Excellent. Moi j'habite loin, donc du coup je reste là pour la nuit. T'es en mode camping? Non, je vais chez moi. Ah bah oui, il y a des places. C'est moi le camping. Parfait. C'est le camping, c'est
Bienvenue chez Laura. Le petit jardin qui va bien avec la quechua, etc. Merci à tous. Vous pouvez vous rapprocher. Là. Oui, ensemble. Voilà, comme ça vous rentrez tous les trois dans la cam. C'était le groupe Mawid en direct du Reggae Senska avec moi, bien sûr. Là, c'est moi. Vous m'avez tous reconnu. Merci à soirées comme celle de ce soir, ça me ramène à l'origine de cette culture sound system où on fait une longue session avec différents styles, avec différents MC. Mais je suis quand même nourrie de plein d'autres influences musicales. Et oui, on entend du jazz, du groove. Bien sûr. Ça rythme divorce à l'italienne et ton petit accent sont loin. Tu vas où maintenant depuis 2011? Je continue à collaborer avec les personnes avec qui je partage une certaine idée justement et qui sont des collaborateurs de confiance et mon gosse bien sûr en fait partie et j'avance un peu à mon rythme très doucement avec tout plein de contraintes de vie qui font que la musique c'est une grande passion et que je continue comme ça tranquille. Voilà, des collaborations, des singles, quelques des OP, il y a plein de choses qui ont été enregistrées. On avance tout doucement avec les amis toujours, Mongoose, Stand Eye, Stand Part. Voilà. Tout ce qui fait ton univers. Un peu oui. Ouais, alors j'ai écouté, hein. Bien sûr, parce que c'est l'univers dont tu parles. Tes amis, les gens de confiance. Tu as fait ton propre label Homies Records. Oui. Les potes, les amis, bien ceux sûr. En qui tu as confiance. Est-ce que maintenant ça te permet plus de liberté musicale? Oui, oui, je pense. En tout cas, j'essaie de l'apprendre. Ouais. C'est pour ça que j'essaie des sonorités un peu différentes qui peuvent peut-être laisser surpris, mais qui en fait sont le fruit d'une rencontre comme ça. Et puis. Et donc, envie d'essayer en fait, d'essayer des choses. Et le label, il donne une certaine liberté. Et les amis, ils permettent à ce label de vivre parce que mon gosse le distribue, parce que y a plein de monde qui m'aide avec les vidéos et avec les graphismes. Tout ça, c'est un travail vraiment collectif. Hein. C'est marqué Marina P, mais c'est pas que moi, évidemment. Tout le monde derrière. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions, j'espère que merci ça a été. À toi. On termine la vidéo et puis on termine l'interview surtout en privé. Salut à tous, merci Marina P. Ciao. Hop, c'est parti, salut à tous, on est avec Volodia qui est tout seul mais aussi avec c'est lui-même, voilà, c'est un petit peu comme vous savez, on va lui poser une question ce soir, premier jour du festival Reggae Senska, t'es arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 14h à Bordeaux et j'ai pris un train à 14h30 pour aller à Pessac et un runner est venu me chercher, je suis arrivé à 15h sur le site. D'accord, et donc tu as fait, tu es passé tout à l'heure, on t'a entendu, voilà. Bravo, c'est un beau jour. Donc tu as fait le titre Viser la canopée, donc c'est ton dernier titre, voilà, c'est le nom d'un restaurant ici aussi qui est en plein ciel. Tu aimerais vivre dans les arbres ou ta métaphore du chemin de la vie, vivre c'est mourir, est-ce que tu es d'accord avec ça? Vivre c'est mourir, forcément ouais, mais c'est assez fataliste je pense de dire ça. Tu penses que c'est fataliste de dire ça? Je pense qu'il faut vivre pour vivre. Vivre déjà. Pour vivre, d'accord. Et après, forcément, la mort est un point dont on ne peut pas faire abstraction.
Mais non, en fait, c'est un morceau assez simple qui parle surtout de viser plus haut, quoi, d'essayer d'atteindre le maximum de ses rêves et puis de prendre sa place. Parce que des fois. Tu parles d'objectifs et de situations dans la vie. C'est ça. Et puis de. Voilà, je dis d'en bas de cette terre sauvage, je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Mais bon, des fois, voilà, on est dans la merde et il faut essayer de se relever, de regarder un peu plus haut et de lever le menton et de se dire je peux sortir de cette merde. Et puis, quel que soit le contexte. Hein. Et il n'y a voilà. que quand on est en bas qu'on sait comment remonter. Oui, mais parfois quand on est en haut, on retombe très vite en bas. Oui, donc c'est clair, il faut, voilà, faut garder un petit peu à l'esprit ces choses-là. Bon, après, c'est un morceau assez simple aussi. Voilà, je compare un peu avec la vie de la jungle et puis la vie... L'humidité des animaux. L'humilité, oui, bah oui, carrément. Que les animaux ont voilà, entre aussi, eux. Il y a des lois naturelles et c'est comme ça. Un défaut qui fait aux hommes, parfois. Oui, c'est sûr, ça c'est... Mm. On se considère peut-être un petit peu trop... pas comme des animaux. Ouais, on tombe parfois de haut, voilà. Souvent. Mais voilà, après c'était un morceau aussi vibe où j'avais envie de il est assez positif, il est assez lumineux, rebondi, donc je suis content de ce morceau. C'est et plein d'énergie, bien sûr. Et voilà, ouais. Et puis il marche bien en concert, là, je l'ai bien vu. Ouais. Voilà, donc viser la canopée, et c'est, voilà, garder espoir, croyez en vous, essayez de viser le plus haut possible pour justement avoir une vue claire sur les choses et puis pouvoir se dire. C'est parti. Salut les loulous. Je suis en présence de Maxime de Yana Prod. Ça vient de sortir. Ça a à peine 8 mois. C'est un tout petit bébé. Donc on va aller tout doucement avec Maxime. Et je viens d'apprendre un truc. C'est que en gros, pour plus dire pull up dans les soirées, vous connaissez le truc pull up pour redémarrer le morceau. Eh bien, ça se dit plus. Aujourd'hui, c'est Yana. D'où Yana Prod. Maxime va vous expliquer l'origine de tout ça. Voilà. Donc Yana, en fait, c'est lié avec les Rasta Bigoud quand on était gamin, on avait 12 piges, donc voilà, il y a plus de 20 ans. Le pull-up, voilà, on en avait marre, on l'entendait partout. Et donc du coup, bah, on a balancé ça en fait en mode soirée, donc voilà, bah, c'était Yana, et puis, du coup c'est resté comme ça. Et vu que c'était ma première formation professionnelle, j'ai envie de dire, du coup, bah voilà, c'est venu et, Yana. Yana, ça a une origine, Yana. L'origine, en fait, elle est juste pour moi, en fait, sur le pull-up. Après, elle a d'autres origines, je sais qu'elle a des origines de Nouvelle-Orléans, il y a néo-zélandais aussi, irlandaise aussi. D'accord. Alors on n'a pas cherché nous là-dessus, on est resté sur le truc parce que c'était pull-up, c'était juste le trip de base. Et puis ça coule, c'est flow. Ouais, Yana, ça sonne bien, voilà. Ça ouais. donne envie, ça relance donne envie. Le truc. Voilà. Excellent, excellent. Alors voilà, tu nous présentais, donc tout à l'heure tu voulais nous présenter donc. Voilà l'équipe Booking, je nomme, en fait, Yana Prod, Pierrot, Juju. Kid, voilà, c'est Booking. Des nouveaux, ils sont en stagiaire, d'accord. Voilà, ils arrivent, on les forme. Et Juju. Juju. Pareil pour Yana Prod. Yana Team Family. Voilà la Yana Team Family, voilà. J'allais le dire. Bon, on vous fait des bisous, montage plus tard. Backstage avec Glama Ross, on est ensemble ici à côté. Bocas et tous les autres qui travaillent. C'est chaud, ça bosse dur. Et ouais, c'est les backstage. Bisous à tous. Merci pour votre énergie, merci pour l'impact que vous allez partager avec nous. En plus, c'est un bon regard.
Et la lumière fut. Je veux ça. Ça s'appelle un hang drum. Juste ici, Pierre Nasca. Yes, c'est reggae sans ska again. Regardez qui m'en est tout le monde s'y poser. Ami pour mon pour stresser. Il dit ma café qui tout le monde s'y qu'à danser. Pétété tata tete tete tete. Au soya, tout le monde est paré. Lui m'a dit fait bien si est tout que rete pour lui est connaître. Reggae sans ska. Au soya, tout le monde s'y est connaître. Nous qu'à fumer. Pani babi, le messi est pour elle stresser. Again, again, again. Au soya. Tout le monde est paré, mais si monté de côté, si est-ce qu'à filmer, Kali a des si est-ce qu'à tourner, tout pas tout fouler, tête taillée pété, yo, mais si est-ce à l'angle de mon Dieu. Il est chaud, il est chaud.
Ok, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Alors voilà, on est là, tous posés, et on attend le retour de Pierre Nesta, qui est parti en interview pour France 3. Donc il revient incessamment sous peu nous voir, voilà, avec tout le monde, et on est là, on vous fait des bisous. Nous sommes au camping numéro 1, camping numéro 2, pardon, camping zen, et on est actuellement au camping. Comme vous pouvez le voir, il y a des tentes partout et il y a aussi des enfants. Tu t'appelles comment? Rio. Oyo. Tu t'appelles comment? Anaé. Anaé. Tu t'appelles comment? Tona. Dis-le. Tona. Allez. Tu t'appelles comment? Talia. Et voilà la maman, enfin une des mamans, et nous sommes ici dans le stand massage, comme vous pouvez le voir, c'est le stand zen. Et alors on a les enfants à côté de nous, et ils ont les casques autour du cou, les casques qu'on achète pour faire de la prévention, et on distribue ici également aussi au Reggae Sanska 2017, et comme tous les autres Reggae Sanska, des bouchons d'oreilles. Alors comment vous entendez la musique avec vos casques, et comment ça se passe le concert pour vous, le festival? On n'entend pas très fort, moi. Ah,
des fois je l'enlève. Je sais pas. Et quand tu l'enlèves le casque, t'entends la musique plus fort, ça te fait quoi dans les oreilles? Ça... J'entends la musique plus fort, ça résonne plus. Et du coup, t'as envie de remettre ton casque? Non. T'as pas envie de le remettre? J'ai envie de le laisser, de pas l'avoir. Et donc c'est maman qui dit, c'est ça, on remet le casque. C'est la prévention, c'est très très bien. Et toi, tu mets des casques? Non. À tes souhaits, pardon. Oh, tu n'en mets pas. Tu mets des bouchons d'oreilles? D'accord. Et toi, tu mets le casque. En fait, moi, je le mets pratiquement que quand je vais devant. Mais enfin, en fait, ça change. Moi, des fois, ça change rien que je l'aille ou que je l'aille pas. Ah. Des fois, en fait. La musique aussi fort. Voilà, des bouchons. Alors, tu peux montrer la caméra. Voilà. Il nous montre les bouchons. Pour l'enlever, en fait, ça me fait rien. Mais t'as l'impression que ça te fait rien. T'as l'impression que ça te fait rien, alors qu'en fait. Ça te fait quelque chose parce que ça fait du bien à tes oreilles. Merci à vous, puis les enfants. Vous faites un gros coucou. Coucou. Et on dit au revoir aux enfants du festival. Enfin, des enfants parmi les enfants du festival. Salut à vous. Salut, salut. Deuxième jour. C'est parti. Entrée du festival. Beaucoup moins de monde. Tout le monde est maintenant rodé avec le bracelet bien discipliné. Les chemins se font, les tris se font et les files d'attente sont aussi respectées. Allez, c'est parti pour le samedi jusqu'à 2h du matin. Bon samedi à vous tous et bon festival Reggae Senska 20e édition 2017. C'est parti, on y va. Direction. Hop. Express. Presse. On y va. Zou les loulous. Je vous kiffe. Bisous à tous. Bon samedi soir. Merci du fond du cœur.
on est tranquille ici, posé, avec un petit peu de soleil. On travaille et on va aller voir Kalash. Et on est en direct avec mademoiselle Samira. Samira et le jeune homme c'est Cyril. C'est son anniversaire aujourd'hui comme happy birthday. L'entendre. Merci. Et donc on va partir pour une interview pour savoir qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi faire. Alors moi si je suis là, c'est pour profiter du festival, voir mes amis. J'habitais 2 ans sur Bordeaux et je reviens assez souvent ici. Le reggae senska à la base je ne devais pas le faire. Mais finalement je m'y retrouve avec un pass VIP. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Ah, les copains, les contacts, tout ça, là, ouais. Tu vois, là, là, quoi. C'est bien. Ben oui, mon copain. Grelot, que des cadeaux, hein. On vient tester les capotes, c'est que des grelots, que des cadeaux. On est sur un stand où on montre comment poser des préservatifs avec Samira et Cyril. Yes, c'est le stand de la Gironde, département de la Gironde. Exactement. Qui fait de la prévention. Alors, comment mettre une capote? Surtout, pensez à laisser une petite bulle, ne pas trop la serrer en blanc parce que lorsque l'homme va éjaculer, ça risque de péter la capote avec la puissance du gel. Donc, on laisse toujours regarde, un petit l'éco-orgasme comme ça pour que l'homme puisse mettre son sperme. On explique tout ça et comment tu les attires, les gens, avec ça? Bah écoute, tu leur proposes leur le plateau pour chanter. D'accord. Éventuellement. Tu leur dis que voilà. C'est un bon jeu pour l'apéro ça. Exactement, c'est un moyen de tester ses connaissances. Un poker beat. Éventuellement, pourquoi pas. Ça perturbe ses mamies. On met des numéros. Ouais, mais ça fait une bulle, ça on met des numéros et on tourne. Et celui qui peut tourner effectivement. Oui c'est voilà. Ça, en fait tu tournes. Et chacun prend sa bite. Et alors, tout voilà. À l'heure, j'ai eu apparemment, et après, tu ça, c'est la bite. Et tu vois, il y a qui de l'autre côté. Exactement, alors ça c'est la bite du Renoir, là le pot rouge, là c'est l'écolo, là c'est le chinois, et apparemment là c'est l'extraterrestre. Voilà. C'est et ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Peut-être un chinois. Des capotes, donc pensez à vous protéger. Les exactement. Bonjour. Merci, bonjour. Vas-y, le chéri, voilà. Sortez couverts. Sortez couverts. Ça, sortez merci couvert. À vous. Merci à toi. Alors là, on arrive au stand Jeune Addiction, espace Jeune Addiction. Bonsoir ou bonjour entre le jour bonjour. Et le soir. On parle de on distribue des capotes gratuites. C'est très très bien. Est-ce qu'on distribue du gel avec les capotes? C'est parfait. Et du gel désinfectant aussi pour les mains. Les mains, j'anticipe. Le gel désinfectant pour les mains est là. Voilà, donc niveau prévention, on est calé. Protégez-vous tout le monde. Niveau attention à vous, ne pénétrez pas une femme sans gel. Ça aussi, c'est fait. Le gel est là. Le désinfectant est là. Les capotes sont là. On fait de la prévention également sur le cannabis.
l'alcool, qui est un grave danger, beaucoup plus que le cannabis. Et attention aux autres drogues que l'on ne connaît pas ici dans le monde du Kika, mais qui sont tout aussi dangereuses que l'addiction que vous avez envers moi. Attention les chéris, je vous aime. Ciao, ciao. Merci, à toi. Une trentaine d'associations représentées, c'est la deuxième année qu'ils sont là. Et deuxième année, donc le l'orgasme est ici. C'est très bien. On continue à vous faire découvrir, donc toujours pareil. Hein, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Allez, viens. Vas-y, c'est marrant. Hey, donc, tu fais ça, je te fais une gorgée. Les associations sont là. Bonjour. Comme je vous le dis, elles sont donc une trentaine et c'est très très bien parce que il y a de quoi faire, il y a de quoi faire de la prévention, témoignages récoltés dans la rue, ça c'est parfait, c'est parfait. Alors pardon, j'ai marché dessus hein, comme vous pouvez le voir, c'est un grand rond comme un soleil. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Ouais, surtout. Ouais, c'est impressionnant ça, le monde. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait dire d'autre? C'est pareil, c'est toujours festival. Camping ou pas camping? Non, pas camping. Ah, sauvage. Vous êtes chez vous? Non, vous êtes en mode sauvage dans les champs, les prés. D'accord. Le mieux. Et du coup, votre ressenti sur ce début de deuxième jour, en mode soir, à 18h passé. Apéro! C'est de la balle, la vie de ma mère, ah, c'est trop de la balle. C'est fumé le crâne, voilà. Ouais, c'est bien, non, franchement, c'est vraiment. Ça coule, tranquille. Ouais, impeccable, tout roule comme sur des roulettes. Prêt pour le troisième jour? Prêt, mais surprêt même. Allez, déjà, on est prêt pour le deuxième. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Salut la team. Je suis animatrice radio. Je vous trouve ici en ce deuxième jour du Reggae Sensei.
la photo dans la déco en fait. D'accord, c'est vous qui faites tout le décor de la scène. On a fait la déco de l'endroit où c'est qu'on prend les photos gratuitement, tout simplement. Ouais. Et vous repartez avec la photo. D'accord, toi aussi tu proposes, c'est ça. C'est toi qui fais les selfies là-bas pour les souvenirs de la 20e édition du Réseau d'Oscar. Alors, j'ai pas eu le temps personnellement de venir vous voir, mais ce sera avec plaisir. Avec un grand plaisir. Et alors, ce premier jour? Nickel. Vous trouvez nickel? Non, c'est quoi? C'est pas le premier jour, c'est le troisième jour. Jeudi, vendredi, samedi. Parce que je précise aux auditeurs que ces messieurs sont de la technique. Et nous allons rejoindre tout le monde, les gens qu'on a rencontrés hier. Vous reconnaissez l'équipe de Yana Prod qu'on vient de voir passer. Allez, on reprend sur vous. Alors, ton prénom? Christophe. Christophe. Mathie. 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 Et Yo. Yo, d'accord. Tout le monde t'appelle Yo. Eh bien, merci pour votre première impression. Ce sera sur la chaîne YouTube du monde de Kika. C'est nous que vous remercions. Merci à toi et à très vite. Merci bien, bon courage. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Dans la création d'un petit pont. J'avais peur forcément, hein, première scène sur le Reggae Senska, et en descendant j'étais un public exceptionnel quoi. Une réception, tu sais, t'as peur quand même, ça fait 20 ans, tu vois, en fait les 20 ans, t'as des grands habitués. Et certaines images du reggae, de la façon dont il est défendu depuis des années. C'est comment flippant. Les gens jugent, oui, et je t'ai entendu chanter, t'as donné tout ce que t'avais. C'est ça, t'as les gens en face, tu te dis, ils s'attendent à quelque chose, à un certain respect de la musique et tout. Je pense qu'ils ont vu que je respectais cette musique et que je la défendais à sa juste valeur. Et du coup, c'est bien quand les gens sont ouverts et que tu sens que cette ouverture, un échange d'énergie, ils perçoivent ce que t'envoies. Ouais. Et du coup, ça marche, quoi. C'est génial. Très beau. Alors. Donc on en parlait, Winning Races, plus de 18 000 vues sur YouTube. Blue Soul, c'est le nom de ton album. C'est ça, ouais. Alors Blue Soul, pop, reggae, c'est un petit peu tout ce qu'on entend dans ton nouvel album. Tu es la nouvelle voix féminine du reggae du 21e siècle. Félicitations. Merci. Pour ton contrat chez Tuff Gang. C'est très très bien. Alors Blue Soul, pourquoi le bleu? C'est ma couleur préférée, c'est une de mes
couleurs préférées. J'aime toutes les couleurs, j'adore tout ce qui est coloré, mais c'est le ciel, c'est la mer, c'est... je sais pas, pour moi c'est l'énergie synonyme positive, d'espoir, énergie, tu regardes le ciel, c'est loin, le ciel normalement c'est pas bleu, c'est le reflet de la mer. Apéro de deuxième jour avec toutes les équipes de la presse et tout le monde qui se retrouve tranquillement. Voilà la sortie du deuxième soir et ça fait du bien. On est content de ce deuxième soir. Samedi, c'est fait. Ça continue bien sûr au camping. Demain, troisième jour et on se retrouve tous ensemble bien sûr pour de nombreux reportages. Bisous à vous. Dodo, maintenant on se recharge un petit peu avec la soupe et on fait dodo. Bonne nuit à tous et à tout à l'heure. Ça y est, on est enfin rentré dans le lieu dit la tente 7 rue du Regisenska. Et donc, on va faire... C'est triste, dernier jour du dimanche. Et on voit les premiers campeurs qui sont en train de quitter leur camping. Il y a de moins en moins de monde qui recharge le téléphone. C'est triste. Ambiance du dernier jour. Nous, on sort de la douche. Et ça fait du bien. On retourne maintenant au camping numéro 2 parce que le 1, comme vous le savez, il est très très plein et surtout, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc, camping numéro 2. Salut les gens, bon ben voilà la tranche du dimanche, on sort de la douche et les cheveux sont déjà secs, voilà un petit peu mon univers, le gros bordel. On vous fait des gros gros bisous, mais moi-même et moi on est en mode trip, on démarre les concerts à 17h aujourd'hui, dernier jour, troisième jour. Troisième jour, dimanche, c'est parti, ça y est, toujours le point info sur la droite, les consignes. La billetterie, le soleil qui nous éclate la gueule et donc le chemin à parcourir jusqu'à l'entrée du festival et ensuite à l'entrée on vous montrera tout ça. Voilà, on vient de passer l'intérieur avec tous les stands et là maintenant on marche hier, tout ce qu'on bouffe c'est très très bon. Allez, bisous à vous tous et rendez-vous tout à l'heure au bout. Au fond, à gauche. On est là, posé à l'espace presse VIP, coupe de champagne à la main. On fête ce dernier jour Regisenska 2017. Ah oui, mais c'est parce que t'as snappé.
Voilà, ça y est, ça sent le dimanche soir. On a la pleine lune qui arrive pour demain et on continue donc jusqu'à 2h du matin. Et puis on est bien tranquillement. Cette saison 2017, 20e édition du Reggae Sun Ska Festival est quasiment finie. On finit normalement demain matin. On vous fait à tous de très très gros bisous. Les chéris, je vous embrasse très très fort. En backstage. Bonne nuit à tous. Gros bisous les gens. Salut le staff. Merci. À l'année prochaine. Voilà, c'est la sortie. On est presque les derniers. Il y a encore du monde en backstage, mais ça, chut, faut pas le dire. Et puis nous, on rentre faire un gros dodo parce que demain, à 11h, tous les campings sont dégagés. Il faut qu'il n'y ait plus une seule tente sur les terrains. Donc ça va s'activer à partir de 9h du matin. Et on souhaite bon courage à tous les campeurs. Gros, gros, gros bisous à tous et rendez-vous à l'année prochaine pour le Reggae Sun Ska 2018. La Bretagne est là jusqu'au bout de la nuit. Comme je vous le disais, on est lundi du matin. C'est la fin du Sun Ska. Beaucoup de gens vont rentrer directement chez eux. On vous présente un petit peu l'endroit où se situe l'endroit. Un petit peu. Et voilà, c'est la fin. De l'autre côté, le camping numéro 1. Et là, le camping numéro 2 de ce côté-ci. Alors voilà, la lumière de cette magnifique pleine lune qui arrive, parce que c'est aujourd'hui, lundi, la pleine lune, et bien vous pouvez voir, hein, le camping est encore très 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 rempli, et donc nous avons jusqu'à 14h demain pour vider les lieux en parlant poliment, et comme vous pouvez l'entendre, on invite encore à 2h du matin les gens à venir prendre l'apéro, quelle que soit l'heure, on invite tout le monde à prendre l'apéro et on vous fait à tous de très très gros bisous. À tout à l'heure. Voilà, voilà, nous sommes lundi matin, en ce, à 5e jour pour ceux qui sont arrivés jeudi. Le camping commence à se vider. Et comme vous pouvez le voir, il y a des poubelles partout, on est vachement écolo, on a fait du tri sélectif et tout le monde est en train de partir. Voilà, ça y est, on est sur le départ. Au revoir, bon retour. Comment vous avez trouvé ce festival? Nickel. Au revoir. Ah non, ceux-là vont à la douche. Nous, on va faire pareil. Au revoir, bon retour. J'ai trouvé du café, j'ai trouvé du café, j'ai trouvé du café. Ouais. Le camping se vide, comme vous pouvez le voir, hein, il y a de moins en moins de monde. Le nettoyage est en train de se faire, on ne vous montrera pas les détails. La tente des assos est en train de se démonter aussi. Tout le monde range tout. Dernierjour.com, Reggae Sun Ska 2017. Démontage en cours, démontage en cours. Jour 2, lundi matin, 11h du matin, la pluie commence à tomber et tous ceux qui ont plié leurs tentes sont pas contents. Tous ceux qui sont encore dans les tentes sont très contents parce qu'ils vont être à l'abri. Et voilà, ça y est, ça commence à sentir le départ. Il y en a qui commencent à remballer. Et comme par hasard, hein, on parlait de cette histoire de Quechua en 2 secondes pour la sortir. Et normalement, plus de 2 minutes pour la remballer, sauf que eux, c'est les champions du monde. On parle d'un master en Quechua. Allez, ça c'était l'anecdote camping du jour, 3e jour. Au revoir. Au revoir. Rentrez bien. Ouais. C'était comment? C'était cool. C'était cool. Cool comment? Trop cool. C'était incroyable. Apéro. Cool royal. Royal. Bon retour. Royal, cool. Mais j'ai pas la foi, il y a ça qui est lourd. C'est vrai, tu prends? Ouais, c'est gentil. C'est pas la solidarité féminine, voyons. Merci bébé, j'ai plus.
Au revoir, bon retour. Voilà, c'est parti sur la route de la voiture. Troisième rue, troisième jour, tout le monde a décampé, il n'y a plus rien. Voilà, c'est dégueulasse. Ça va être nettoyé rapidement parce que dans la ville de Pessac, ils sont très 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 efficaces. Et donc demain, il n'y aura plus rien. Bisous à tous. Bon lundi.